savons tous, les ressources sur Terre ne sont pas infinies. Depuis plusieurs années, KP1 fait évoluer son offre en proposant des systèmes constructifs avec une recherche constante autour de la frugalité des solutions. Moins de matériaux, moins de béton, suppression d'un certain nombre d'opérations sur chantier. Livraison de la juste quantité sur chantier. En ligne directe avec cet objectif de réduction d'impact environnemental, KP1 lance l'EMR, un entrevue spécial vide sanitaire, fabriqué à 100% en matières premières recyclées. Il rejoint ainsi l'EMS EcoVS, lancé en 2018, qui intègre en partie de la matière recyclée. Ils forment à eux-deux une gamme d'entrevues respectueux de l'environnement. KP1 et ses partenaires travaillent ensemble afin de réutiliser ces plastiques usagés pour les recycler en les réinjectant dans leur système de plancher sur vide sanitaire. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise CPA, située dans l'Ain, a recyclé plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques. Nous avons rencontré Pierre Blanc, directeur de l'entreprise CPA. Je connais la société KP1 depuis plusieurs années. J'avais observé qu'ils avaient un produit qui permettait d'incorporer de la matière recyclée. On a lancé un programme de recherche et d'études. Il fallait vérifier beaucoup de paramètres. Et nous arrivons à la fin de cette étude qui est concluante. Pour rester cohérent dans cette démarche, le groupe industriel KP1 a choisi un intervenant au plus près de son site de production. Ça fait plaisir de voir que notre travail sert à quelque chose. Je me dis que je fais un geste pour mes petits-enfants. On se rend compte qu'il y a des gens derrière nous qui se servent de tout ça, qu'on n'est pas les seuls à se préoccuper en fait, de la planète et du recyclage. Il y a les gens derrière qui nous suivent, qui nous font avancer. Et KP1 en fait partie. Au-delà des mots, c'est l'équivalent de 40 millions de bouteilles plastiques qui sont réutilisées chaque année dans les entrevues EMR et EMS EcoVS. Avec l'EMR et l'EMS EcoVS KP1, optez pour le choix écotechnologique.